Quel carton prendre pour faire des meubles en carton? Alors là, j'ai ramené de ma cuisine des morceaux de carton. Alors en général, moi je prends, je suis hyper difficile pour le carton parce que je sais par expérience que si on prend pas du carton vraiment de très bonne qualité, les meubles, bah, il y aura beaucoup plus de travail après au niveau de la peinture, du craftage, de l'assemblage, etc. Donc moi je suis assez maniaque au niveau du carton. Donc celui que je prends là par exemple que je vous montre ici, ça c'est une petite chute. Mais en général, voilà, c'est je prends des choses de relativement assez bonne qualité. En plus, on en a tellement dans les rues du carton qu'on peut franchement se permettre de faire son marché. Moi je pars en voiture, je repère mes endroits et j'essaie toujours d'avoir des choses qui sont correctes, qui me permettent de faire des objets qui vont tenir la route.